Dans un petit village en Afrique, un agent de santé communautaire administre le premier vaccin d'un patient. Dans une communauté isolée, le traitement arrive au moment où une épidémie commence à se répandre. En Asie, en zone rurale, une sage-femme communique à une femme enceinte des informations vitales sur la nutrition et la santé. Au Moyen-Orient, les agents de santé administrent des soins médicaux dans des camps de réfugiés. Des moments comme ceux-ci sauvent des vies, mais la coordination à un niveau national ou global nécessite des ressources, de la planification et par-dessus tout, de l'information. Comment s'assure-t-on que les données adéquates sont saisies, analysées et mises à disposition afin d'aider à la prise de décision et avoir de l'impact? DHIS2 peut vous aider. DHIS2 rassemble au sein d'un système central une grande variété de données provenant de nombreuses et différentes sources, ce qui permet une meilleure planification, le partage de l'information et la prise de décision, et ce, à tous les niveaux. Que ce soit le ministère de la Santé, les gestionnaires au niveau du district et au niveau régional, les travailleurs médicaux sur le terrain, tout le monde peut utiliser cette information et avoir un impact sur la vie des populations. Nous allons démontrer comment DHIS2 capture l'information même en provenance des zones les plus reculées ne disposant pas de connexion et comment DHIS2 facilite la soumission des formulaires standards ainsi que des rapports agrégés. Et vous verrez également comment les données saisies sont examinées, analysées et partagées et ce depuis une seule et même plateforme open source. Voyons un exemple de DHIS2 en action. Le ministère de la Santé prévoit une campagne d'immunisation à l'échelle nationale. Dans chaque centre de santé communautaire à travers le pays, des milliers de personnes seront vaccinées. Avant la fermeture de chacun de ces centres, un agent de santé communautaire utilise une tablette pour y enregistrer les doses administrées. L'agent de santé est notifié dès qu'une connexion Internet est disponible et les données sont envoyées à la base de données centrale DHIS2. Depuis son bureau en ville, la gestionnaire sanitaire au niveau régional peut voir en un coup d'œil combien de vaccins ont été administrés dans chaque communauté, ainsi que le taux d'immunisation pour la région. Au ministère de la Santé, le tableau de bord DHIS2 démontre les progrès de la campagne et met en exergue les éventuelles zones d'inquiétude devant être éclaircies. Voyons maintenant comment DHIS2 peut aider dans la riposte face aux épidémies. Dans DHIS2, la carte d'un pays montre une augmentation des cas d'infection à un virus potentiellement mortel. Les agents de santé sont envoyés dans le village isolé au cœur de l'épidémie. Mais sans connexion Internet, comment peuvent-ils transmettre les nouvelles données afin d'en informer les autorités nationales ? Avec DHIS2, l'urgentiste peut comptabiliser le nombre de foyers et individus infectés par la maladie et envoyer directement ces informations par SMS. Au ministère de la Santé, la coordinatrice des urgences peut surveiller la riposte à l'épidémie en utilisant son tableau de bord DHIS2 et ainsi décider des mesures de suivi à prendre. En réalité, des millions de registres et des milliers d'ensembles de données peuvent être saisis et envoyés à une base de données unique dans DHIS2. Les formulaires papier ont une limite. DHIS2 facilite la collecte des mêmes ensembles de données sur téléphone et tablette Android, sur ordinateur de bureau et permet même de soumettre des données limitées par SMS. Les données soumises dans DHIS2 sont instantanément sauvegardées et accessibles depuis tout appareil connecté. DHIS2 permet la collecte de données dans les zones les plus isolées et les plus précaires, ne disposant d'aucune connexion à Internet ni accès à l'électricité stable. Prendre des décisions importantes ne dépend pas uniquement de la rapidité avec laquelle les données sont disponibles. Cela dépend également de la qualité de l'information disponible. DHIS2 comprend de nombreuses fonctionnalités permettant d'assurer la qualité et la précision des données avant leur utilisation pour aider à la prise de décision. Celles-ci incluent la possibilité de valider des données, d'identifier des doublons et de souligner les valeurs anormales pour révision. Les gestionnaires peuvent voir un historique de toutes les saisies et modifications ainsi qu'examiner les rapports de synthèse. Lorsque les données sont validées, elles sont prêtes pour analyse. Grâce à DHIS2, les équipes peuvent rendre les données lisibles en créant des supports de visualisation tels que les graphiques, les tableaux et les cartes, et aussi utiliser les filtres pour mettre en avant les informations les plus pertinentes. Et créer les tableaux de bord sur mesure qui pourront être partagés avec d'autres membres de l'équipe pour discussion et prise de décision. Que vous planifiez une campagne nationale d'immunisation ou renforciez votre capacité à répondre aux épidémies mortelles,
que vous supervisiez des programmes nationaux et internationaux relatifs aux épidémies en cours, ou gérer un projet complexe qui repose sur des décisions basées sur les données. DHIS2 est un logiciel libre, open source, pouvant améliorer votre impact, vous aider à la collecte, l'analyse, le partage et la transformation de vos données en informations pour action.